Bonjour. Ah, vous êtes nombreuses. Bienvenue au rendez-vous qu'on s'était fixé. Mercredi, 9h30. C'est parti, tonification. Allez, prenez votre tapis, votre essuie, on écarte un peu les pieds, mets la taille et fléchissez légèrement les jambes. On démarre classiquement par quelques flexions de jambes. On pousse bien sur les talons, à la largeur des épaules ou un peu plus avec les pieds. Trois temps descendre, remonter trois temps et on est parti. Descendre et un, deux, trois, monter un, deux, trois et un, deux, trois. Progressivement, on atteint l'horizontale avec les cuisses. Descendre en poussant les fesses vers l'arrière, deux, trois, monter un, deux, trois. Descendre lentement, deux, trois et un, deux, trois. Encore deux fois. 2, 3, montez, 1, 2, 3, dernier, 1, 2, on maintient, montez, descend 4 fois, montez, 1, et 2, expiration, on pousse sur les talons, 3, et 4, relâchez, arrondir, hop, remontez doucement, écartez un petit peu plus, toujours même principe, jambes fléchies, et cette fois-ci, vous tendez les bras latéralement. 4 temps pour descendre, 4 pour remonter, fesses en arrière, descendre rien. 2, 3, 4, montez 1, 2, 3, ne tendez pas, redescendre rien. 2, 3, 4, 1, 2, 3, 2 et 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, encore deux fois. Et 1, 2, 3, 4, montez 1, 2, 3 et 4, toujours, fesses vers l'arrière, au-dessus du bassin vers l'avant, 3, 4 et 1, 2, 3, 4, relâchez, tendez les jambes, redressez-vous. En avant-arrière, un grand pas devant, reculez fort le pied derrière vous. Main à la taille, on contracte les abdominaux, fléchir doucement, trois temps, et 1, 2, 3, montez, 1, 2, bien rentrer le ventre, 2, 3, inspirez, soufflez, et 1, 2, 3, et 3, tirez bien les épaules en arrière, 2, par les bras, et 4, et 1, 2, 3 et 5 et 1, 2, 3 et 6. Approchez, inversez. Je vous le fais de profil. Un grand pas en reculant une fois, en reculant deux fois, puis vous soulevez le talon. Pour soulever le talon, fléchissez déjà la jambe arrière. On se redresse et on rétroverse le bassin en contractant fessier gauche ici, jambe gauche derrière, vous aplatissez le dos. Descends doucement. 1, 2, 3. Montez. 1, 2. Pour marquer, genou immobile devant. 3. On fléchit par la jambe arrière. Et 1, 2, 3. Et 3. Et 1. Lentement la descente. Près du sol, le genou. Et 4. Et 1, 2, 3. Et 5. Dernier. 1. 2, 3 et 6. Rapprochez. Revenez face vers l'avant, les pieds parallèles, un plus petit écart entre eux. Il n'est plus que 40 cm. Ici, les bras le long du corps, fléchissez légèrement les jambes. Descendre en 6 temps, remontez en 4 parties. Et 1, 2, 3, 4. On descend toujours. 5, 6 et 1. 2, 3, 4, deuxième et 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 1, 2, 3, 4, troisième et 1, 2, 3, 4, 5 et 6, remontez 1, 2, 3 et 4, hop, retendez.
À nouveau écarté latéralement, fléchissez. On descend trois temps, trois insistances, on remonte trois temps. Bien basculer le bassin, faites vers l'arrière, descend. 1, 2, 3, on insiste. 1, 2, 3, remontez. 1, 2, 3, descendre. 1, 2, 3, insistez, je regarde bien le dos. 3, il va être un petit peu cambré au niveau lombaire. 2, 3, troisième et 1, 2, 3, insistez. 1, 2, 3, remontez. 1, 2, 3, dernier. 1, 2, 3, insistez. 1, 2, 3, remontez. 1, 2, et 3, et retendez. Avant, arrière, à nouveau, écarté fort, au moins aussi fort que tout à l'heure, ou un petit peu plus. On vérifie, genou au-dessus du talon. Attention, la rétroversion du bassin par la contraction des fessiers et des abdominaux profonds, le fait de rentrer le ventre, mains aux épaules. Allongez, deux temps. 1, 2, insistance. 3, bien tendre les bras. 4, remontez. 5, 6, 5 fois. 1, 2, insistance. 4, montez. 6, et 1, 2, 3, 4, et 3. Et 1, 2, 3, 4, et 4, et 1, 2, 3, 4, et 5, dernier, 1, 2, insistant, 4, remontez, 6, relâchez, rapprochez, inversez, donc un grand pas, reculez fort derrière. Rétroversion du bassin, importance des abdominaux, sinon vous allez cambrer en fléchissant la jambe arrière. Donc on rentre le ventre et on maintient, on fixe le dos grâce aux abdominaux. Passez les mains, oui, fléchir. 1, 2, 3, 4, montez, 5, 6, et 1, 2, 3, 4, et 2, et 1, 2, 3, 4, et 3, 1, 2, 3, 4 et 4, encore deux fois, 1, 2, 3, 4 et 5, dernier, 1, 2, 3, 4 et 6, rapprochez, on remet les mains à la taille, fléchir un peu les jambes, ouvrir les genoux à l'extérieur, descend trois temps, six insistances et remontez. On le fait deux fois. Descend en arrière, descend. 1, 2, 3. Insistance. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Remontez. 1, 2. Ne tendez pas. Deuxième, repartir. Hop, basculer le bassin, fesses vers l'arrière. Plier en poussant sur les talons. Redresser le dos. Et 1, 2, 3, 4, 5. 6, remontez, 1, 2, 3, hop, tendre, enfant avant arrière, boule devant, droit derrière, reculez fort, tendez les bras latéralement, abdominaux, descendre en 4 temps, remontez en 3 temps, attention, pas facile, bien rentrer le ventre, on est parti, 1, 2, 3, 4, et 1, 2, 3, deuxième et 1, 2, 3, on allonge les bras, 4, et 1, et 2, et 1, 2, 3, 4, et 1, 2, 3, dernier, 1, 2, 3, 4, et 1, 2, 3, relâchez, inversez. Le grand pas, reculez fort derrière. Rendez les bras latéralement. Contractez les abdominaux, très important. Descendez. 1, 2, 3. On allonge. 4 et 1, 2, 3. Deuxième et 1, 2, 3, 4. Inspirez. Soufflez en remontant. Descendez. 1, 2, 3, 4.
Inspirez, puis soufflez. Là. Dernier. 1, 2, 3, 4 et 1, 2, 3. Lâchez, rapprochez. Des insistances en chaise, en flexion donc. 10 fois. Pliez un peu les jambes. Le profil. 16 vers l'arrière. On pousse sur les talons. Hop, sortir les fesses. Descend doucement. 1 et 2 et 3. Ne vous penchez pas vers l'avant. 4 et 5 et 6 et 7 et 8 et 9 et 10. Relâchez, arrondir pour remonter. On déroule. Relâchez un petit peu. Vous allez m'en refaire 4. Regardez dans la bonne position. Écartez à nouveau. Regardez devant. Les mains devant. Les paumes se font face. Regardez devant vous. Pliez, sortir les fesses. Et descendez. Ne vous penchez pas, ne vous penchez pas. Les mains touchent le sol. On remonte et on est à peu près en bonne position. On remonte un peu les fesses. 1 et 2 et 3 et 4. C'est mieux. Relâchez, arrondir. Hop, remontez. C'est pas fini. Les insistances en fente. Flexion avant-arrière. Un devant, l'autre derrière. 10 fois de chaque côté. Vous voyez, si je me laisse aller, j'ai le dos cambré. Donc d'abord, je souffle. Je descends les côtes, je rentre le ventre. Le bassin tourne dans le bon sens. Suis le bassin vers l'arrière. Fléchissez jambes arrière. Genoux près du sol. Et montez. 1 et 2 et 3 et 4 et 5. Il y en a 10 et 6 et 7 et 8 et 9 et 10. Rapprochez. Très bien, il reste une série. C'est pas fini. Avant, arrière, on recule fort, jambes verticales, rétroversion du bassin, ventre rentré si vous voulez, contracter, pied gauche derrière, c'est le fessier gauche qu'on contracte, fléchir, descendre, genou près du sol, et monter, 1, et 2, et 3, et 4, et 5, et 6, et 7 et 8 et 9, dernier, et 10. Rapprochez. Marchez un peu sur place, décontractez. Je vais descendre un peu la caméra, hop, comme ceci. Vous me verrez bien, je pense. Et voilà, position assise. Relâchement, récupération. Assouplissement, face postérieure, face antérieure, ischio jambier, quadriceps. Redressez le dos, ça c'est bon aussi. Hop, tirez les épaules en arrière, extension du dos, regarde devant, soulevez les côtes, passez alors les mains latéralement. On ne bouge plus la position du dos, on a fait une antéversion du bassin, le bas du dos se cambre légèrement, idéalement. Passez les mains, inspirez, soufflez. Tendre ou incliner, puis tendez, on maintient la position, vos jambes fléchies. Si vous avez su incliner pas mal, faites ça, puis vous faites ça, en tendant. On redresse et on maintient la position. Respiration pour maintenir. Ok, arrondir. Quittez la position, donc on peut la maintenir comme ceci ou la maintenir comme ceci. Ne forcez pas, vous connaissez le principe. Une tension, pas une douleur à l'arrière des cuisses, mais surtout un redressement du dos. Hein, on joue avec la gymnastique de la colonne vertébrale pour être chaque fois en extension du dos et jamais en flexion dans ces mouvements. Pied, hein, gardez la gauche du pied à droite. Étirement pour l'avant de la cuisse, quadriceps. Un petit écart entre les genoux. Deux mains du côté droit. Posez
le coude. Inspirez. Soit vous pliez la jambe, vous rentrez le ventre, vous reculez le genou. Soit vous tendez la jambe, vous pivotez. Descendre le bas du dos, maintenir comme ceci. Éventuellement, poser le coude. Genou doit rester au sol. Vous pouvez fléchir la jambe si vous y arrivez. Inspiration. Groupez le genou. Maintenez la position. Inspiration. Normal en maintenant cette position. Ok, posé. Tendez la jambe. Ouvrez le genou vers l'extérieur. Genou droit vers l'extérieur. La jambe gauche, elle est un petit peu fléchie. Pour redresser le dos, inspiration. Inclinaison tendre, ou bien redresser puis tendre. On maintient, ou incliner puis tendre. Bien poser les deux mains, l'appui ou la pousser pour ouvrir, incliner. Mais ne jamais arrondir, jamais vers le genou, le visage. Ce sont les côtes qui sont soulevées et qui avancent. Maintenir la position. Main opposée, ou les deux, ou l'appui sur le genou, ou l'appui ici latéral. Maintenir quelques instants. Arrondir. Rapprocher le genou et inverser. On va. Je vais vous montrer de profil comme ceci. Premier des deux exercices. Talons contre la fesse, les orteils vers l'arrière. Un petit écart entre les genoux. Gardez le genou droit au sol ici. Ou le gauche, on fait l'autre côté, les deux côtés. En appui sur l'avant-bras. Inspiration, vous soufflez. Vous voyez, rétroversion du bassin, je descends le bas du dos. Si j'y arrive, je pivote là. Si j'y arrive, je pivote ici. Mais jamais en cambrant le dos, en contractant, maintenir. On va aller plus loin, fléchir la jambe. Vous l'allez plus loin, on augmente encore l'intensité. Si on provoque, on accentue la rétroversion du bassin. En groupant comme ceci, le bassin tourne dans le bon sens et vous sentez l'allongement si le bassin tourne comme ceci. Allez, groupez et maintenez. Ok, posez. Tendez la jambe. Ouvrez le genou vers l'extérieur, 45 degrés, l'angle droit si vous y arrivez. Mets la jambe ici, la jambe gauche, fléchis. Gardez la position du dos. Redressement, mauvaise attitude, je corrige, je soulève les côtes. Donc apprenez à faire ceci d'abord, tirez bien les épaules en arrière. C'est important de corriger pour les mouvements du dos. Le bassin doit tourner dans le bon sens. Ici, le dessus du bassin va aller vers l'avant, le dessous du bassin va aller vers l'arrière. On allonge bien ici l'arrière et cuisse. Inspirez, inclinez, hop, tendre. La faute, c'est de faire ceci. Là, je tourne dans le mauvais sens. Redresser, incliner, tendre. On maintient, allongez bien le dos. Est incliné, allez faire ça. Il n'est pas incliné, faites ça, vous gardez les mains là. Mais s'il n'est pas incliné, ne faites pas une flexion. On fait bien une inclinaison du tronc dans cet exercice et vous maintenez. Ok, arrondir, quittez la position. Hop, les jambes. En assis à nouveau deux jambes fléchies. Mains au creux des genoux. Redressez, tirez les épaules en arrière. Regardez devant. Passez les mains latéralement. Allongez les bras. Inspirez. Expirez, inclinez un tout petit peu. Descendez les mains, orteils, genoux ou les mains derrière le dos. Et puis vous tendez les jambes. Le principe est le suivant. Vous devez garder le dos redressé. Donc là, vous le gardez redressé. Là, si vous avez assez de souplesse, il est redressé. Mais si vous manquez de souplesse, vous allez faire ça mauvais. On revient en arrière, on respecte ses limites de souplesse de l'arrière des cuisses, ici principalement. Cet exercice qui correspond au dernier exercice qu'on fera tout à l'heure à la fin de la séance. Ouvrir, corriger, il y a toujours moyen de soulever un peu plus, rentrer le ventre, incliner. Arrondir, fléchir un peu les jambes. Vous mettez les jambes vers la droite. En appui sur l'avant-bras. Tendez la jambe supérieure,
Avancez la hanche, attention, ventre rentré, orteil oblique vers le bas, on voit mon pied là, oblique vers le bas. Contractez pour les abdominaux, montez talon, maintenir 2, descendre 3. Montez 1, maintenir 2, descendre 3. Bien rentrer le ventre. Et 3, et 1, 2, 4, 1, 2, 5, 8 fois, 1, 2, 6, 1, 2, 7 et 1, 2, 8. Vous mettez le pied parallèle au sol. Groupez deux temps. 1, 2. Ouvrir deux temps. 3, 4. Freinez en descendant. 5 et 6. On contracte les abdominaux. Retendez. 7 et 8. Inspirez. Soufflez. 2. Inspirez un peu. Soufflez. 4. Ventre rentré. Descend. 5. 6. Retend. 7 et 8. Inspirez 1, soufflez 2, inspirez 3, soufflez 4. Vous ne devez pas prendre d'air en descendant ni en retendant la jambe, le ventre est rentré. Et on inspire une fois, on souffle. Inspirez, expirez, freinez 1, 2, retendre 1, 2, encore 2 fois et 1, 2, ouvrir 3, 4. Freinez 5, 6, en D7, 8, dernier, 1, 2, ouvrir 3, 4, descend 5, 6, en D7, 8. Avancez la hanche, le premier exercice, on refait attention, abdominaux ici, périnée contractée, montez talon, 3, temps tenu, et descend 5, montez 1, maintenir 2, 3, 4, descendre, c'est encore 3 fois, monter, maintenir, 2, 3, 4, on ne lâche pas les abdominaux, on les contracte, et hop, maintenir, 2, 3, 4, 5, dernier, hop, maintenir, 2, 3, et 4, et descendre au 5, fléchissez un peu les jambes, roulez sur le côté, puis sur le dos, le travail des grands fessiers, vous habituez, vous connaissez bien, la correction ici, elle est essentielle. Ventre rentré, bas du dos au sol, périnée contractée. C'est toujours le même principe. Et on évitera de creuser le dos en soulevant les hanches, les fessiers. Vous allez pousser sur les talons. Donc on rentre le ventre, le périnée. N'oubliez pas, on monte les hanches. 1, on monte encore. 2, on monte encore. 3, et on monte encore. 4, on maintient. 1, 2, respiration. 3, 4, 5 et 6. Descendez doucement. 2. Ici, vous ne reposez pas les fesses sur le sol pour rentrer le ventre. Périnée contractée, on remonte. 2, 3, encore un peu. 4, et on maintient. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Descendez doucement. 2, 3, 4. Une dernière fois. Bien rentrer le ventre, le périnée. Oui, on monte. 2, 3, 4. Hop, et on maintient. 1, 2, 3, encore un peu plus haut, et 1, 2, 3, descendez lentement, posez, hop, pivotez sur le côté, redressez-vous, changez les jambes de côté, donc un appui sur l'avant-bras, vous tendez la jambe, vous avancez la hanche, orteil vers le bas pour le pied, vous rentrez le ventre, les deux mains sont devant. Montez talon, maintenir 2, descendre 3. Montez un petit peu, maintenir 2, descendre 3. À chaque fois, abdominaux, fessiers. 3 et 1, 2, 4, 1, 2, 5 et 1, 2, 6. Hop, le pied parallèle au sol, groupé, deux temps. 1, essoufflez, 2, ouvrir 3, 4, descendre 5. 6, retend 7, 8, inspirez, 2, ouvrir, 3, 4, le pied plus haut que le genou, on descend lentement, on contracte les abdominaux en descendant, retendez, 7, 8, et 1, 2, 3, 4, descend 5, 6, en D7, 8, et encore 2 fois, 2, 3, 4,
La lenteur fait la force et l'efficacité de l'exercice. 8, dernier, 1, 2, j'inspire, j'expire, je ne respire plus, on contracte les abdominaux, 6, tendez, 7, 8, avancez la hanche, et vers le bas, montez le talon, maintenez, 1, 2, 3, descendre, remontez sans à-coups et maintenez, 1, 2, 3, descendre, montez, maintenez, 1, 2, 3, descendre, montez, maintenez, 1, 2, 3, dernière fois, descendre, remontez, maintenir, et 1, 2, 3, descendre, déposer, pivoter sur le côté comme tout à l'heure, et sur le dos. Les pieds sont écartés, 40 cm, pardon. Bras le long du corps, l'appui du bas du dos, rétroversion du bassin, le périnée contracté, on monte les hanches, 1 et 2, encore un peu, 3 et encore un peu, 4. Et on maintient 10 temps, et 1, 2, 3, respiration, ne pas la bloquer, 5, 6, 7, 8, 9 et 10, descendez doucement, 2, 3, on remonte, 4 temps pour monter, 1, et 2, un peu plus haut, 3, encore un peu plus haut, il y a moyen, rentrez les ventes, le périnée, 2, 3, 4, 5, un petit peu plus haut, 6, 7, 8, 9 et 10, descendez doucement, 2, 3, on remonte une dernière fois, montez, hop, 2, monte encore un peu, allez, maintenir, et 1, 2, 3, 4, 5, un tout petit peu plus haut, et 1, 2, 3, 4 et 5. Descendez doucement, posez, hops, pivotez sur le côté pour vous redresser, on appuie sur le coude. Ici, vous groupez, vous travaillez les adducteurs face interne des cuisses. Vous groupez la jambe supérieure, vous tendez la jambe inférieure. Importance ici, le pied parallèle au sol, montez 1 et 2, insistance 3 et 4, freinez la descente 5 et 6, montez 1, 2, insistance 3, 4, descente 5, 6 et 1, 2, 3, 4 et 3 et 1, 2, 3, 4 et 4, 1, 2, 3, 4 et 5, dernier, 1, 2, insistance, 3, 4, descente, 5 et 6. Croisez alors la jambe supérieure. Ici, vous avancez la hanche, le genou est à 10 cm du sol, les deux mains sont devant. Montez et descend, la difficulté c'est de ne pas faire une saccade. 1, et 2, et 3, et 4, et 5. Et 6, et 7, et 8, 4 derniers, 1, et 2, et 3, et 4, ok, posez, pliez les jambes, changez les jambes de côté, on appuie sur l'avant-bras, coupez, on doit vraiment avoir la cuisse contre le tronc ici, tendre la jambe, montez 1, et 2, petite insistance, 4, descente, 5 et 6, montez, 1, 2, 3, 4, descente, 5, 2 et 1, 2, 3, 4 et 3 et 1, 2, 3, 4 et 4, encore deux fois, 2, 3, 4, freinez, 5, dernier, 1, 2, 3 et 4, bien contrôler la descente, 5 et 6, ok, croisez la jambe supérieure, avancez la hanche, les deux mains se placent devant, montez et descendre, hop, et 2, et 3, et 4, et 5, et 6, et 7, et 8,
10, le dernier. 11 et 12. Ok, posez, fléchissez la jambe, redressez-vous. Exercice d'assouplissement de ces deux régions, face interne, face externe. On travaille les adducteurs, on travaille les moyens fessiers. Le profil, vous verrez mieux la position du dos. J'essaie de corriger mieux que je peux. Là, jambes fléchies, passez les mains latéralement. Regardez, par contraste, je me suis volontairement mal positionné, le dos arrondi. Le contraste, là, redressement, extension des épaules, ventre rentré. Ça ne se voit pas, mais je le fais. Fixer les abdominaux profonds. On oriente genoux-pieds vers le haut. Écartez un petit peu. Avancez les hanches progressivement. Une inspiration finale, soit maintenir cette position. Si vous savez le faire, vous tendez les jambes. Vous penchez un peu vers l'avant, vous tendez les jambes. Attention, extension du dos. On a vite tendance à avancer les épaules. Il faut faire l'inverse, rapprocher les omoplates. S'il le faut, plier à nouveau les jambes. On appuie, on tend, on maintient. On appuie. Maintenez, redressez le dos. Inspirez, expirez, on incline un peu plus, ou en ouvrant un peu plus, ou en faisant les deux, on ouvre un peu plus, on incline. Mais vous gardez l'extension du dos. Ça ne sert à rien d'arrondir, de descendre. On redresse, on maintient. Ok, quittez la position. Rapprochez. Gauche tendue, croisez la droite. Soulevez. Les épaules, vous voyez le redressement du dos. Hop, on soulève. C'est les épaules en arrière, on rapproche les omoplates. Des mouvements importants, les muscles paravertébraux, ils travaillent en raccourcissement quand je tire les épaules en arrière, quand je soulève les épaules. La main droite derrière, main gauche, genou droit. Inspiration, l'expiration, pivoter en ramenant le genou à l'intérieur avec la main ou avec l'avant-bras. Vous soulevez et vous tournez. On maintient la position. Quand vous maintenez, respiration normale d'abord, puis vous inspirez et vous gagnez encore un peu d'amplitude, j'expire et au moment où je souffle, je force un peu la rotation, forcer ce n'est pas le bon mot, je tourne un peu plus, il n'est pas question de forcer, vous voyez ce que je veux dire, on augmente encore l'intensité de la rotation, mais en gardant les épaules soulevées, maintenez, ok, relâchez et inversez. Soulever en redressant d'abord. J'ai croisé la jambe, je redresse. Vous maintenez quelques instants. Main gauche derrière. Inspirez, l'expiration. Tournez, genou à l'intérieur. Je soulève les épaules, je maintiens cette position. Pour aller un peu plus loin, nouvelle inspiration. L'expiration. Genou à l'intérieur, soulevez bien, tournez et maintenez. Objectif, d'abord l'allongement de la colonne, ensuite la rotation et maintenir la position. Ok, quittez la position. Oops. On ouvre encore latéralement, deuxième fois. Jambes fléchies. Placement des mains. Ouverture, extension du dos. Ouverture, c'est ici. Les côtes qui se soulèvent, c'est ça l'ouverture. Avancez les hanches. Inspirez. Soufflez tendre ou incliné, puis tendre. Jambes fléchies ou tendues, on maintient. On prend le même écart que tout à l'heure, mais on peut éventuellement gagner un peu, soit en inclinaison, en correction ou en ouverture au niveau des jambes. Maintenez. Et forcez bien l'extension du dos. Ne va jamais trop loin en extension dans ces mouvements. Il n'y a pas de danger. Si vous avez rentré le ventre, vous soulevez les épaules, il n'y a pas de problème. Si vous relâchez les abdominaux, il y a moyen de faire. C'est assez rare, une hyper-extension. Creusez trop le dos. En général, il n'est pas assez creusé. Il est toujours un petit peu trop arrondi. Bon. Soulevez, inclinez tant. Ok, fléchissez. C'est la position. Et si on faisait quelques abdominaux? En couché dorsal, je rappelle les consignes de base. Ventre rentré, hop, directement, le bas du dos va être plaqué sur le sol. Deux mains sur les deux genoux. Avant de démarrer, vous croisez les chevilles, vous rapprochez les cuisses du tronc par l'action des bras. Vous élevez un peu les jambes, vous relevez un peu la tête. À partir de là, vous n'allez jamais regarder vers les cuisses, vous regardez au-dessus des genoux, à gauche ou à droite.
Vous pouvez lâcher les genoux, garder les genoux groupés, les abdominaux travaillent ici, les mains derrière la nuque pour soutenir la tête. On est parti. Coup droit gauche, 5 fois et lentement. C'est parti. Montez, coup de genou, 1. Inspirez, soufflez, 2. Le ventre est rentré, le périnée est contracté, 3. Sans pousser sur la tête, 4 et 5. Descendre, changer. Coup de gauche à droite, 1. Inspirez, soufflez, 2 et 3. Et lentement, 4 et 5. Décroisez, alternatif, 6 fois. Coup de genou gauche, 1. Inspirez, soufflez, 2. Si vous n'y arrivez pas, main sur genou. Et 4 pour grouper. Et 5 et 6. Reprenez la position départ, groupez bien, levez les jambes, coup droit. Sur le genou gauche, on maintient 5 temps. 1, soufflez 2, le ventre est rentré, le périnée pas oublié. 4, 5, descente changée. Les doigts se touchent derrière la nuque, ne les croisez pas, mais vous regardez à droite, ne regardez pas le genou. 3, 4, 5, une deuxième fois de chaque côté. Coup droit, genou gauche, maintenir et 1, 2, 3, 4, 5, descendez. Chose à droite, maintenir, bien rentrer le ventre, 2, 3, 4, 5, décroiser, alternatif, 8 fois, coup droit, genou gauche, regarde à gauche, 1, inspirez, soufflez, 2, regarde à droite, et 3, et le regard, il balaye au-dessus du genou, 4, et 5, et 6, le dos bien à plat pendant les changements également, 7, inspirez, soufflez, 8, groupez, posez pied droit, jambe gauche soulevée, bras droit tendu. La main gauche tient la tête, la jambe gauche vous la pliez, vous poussez sur le pied au sol, les fessiers un peu soulevés. Ensuite main droite, pied gauche, 8 fois, montez 1, descendre un peu, montez 2. Vous remarquez, quand je monte l'épaule droite, je regarde vers la gauche, et 4, et 5, l'épaule descend, l'épaule monte, 6, ventre est rentré, 7 et 8, on redescend, avec insistance maintenant, montez 1, insistez 2, descendre 3, montez, insistez 2, 5 fois, 1 et 3, 1, 2, 4 et 1, 2, 5, inversez, la main droite derrière la tête, la jambe droite, soulevez, fléchis. Je pousse sur le pied gauche, je soulève un peu les fessiers, je rentre le ventre. D'abord 8 fois, main gauche, pied droit, montez 1. Et à chaque fois, je regarde vers la droite, je descends un peu, je monte, je regarde à droite. Et 3, et 4, et 5, et 6, et 7, et 8. On descend, deuxième partie, assistance, 5 fois. Montez 1, insistance 2, descendre 3, montez 1 et 2. Toujours pousser sur le pied au sol, grouper le genou droit, 1, 2, 4, l'épaule gauche vers le genou droit, 2 et 5. Deux genoux groupés, pieds parallèles. Méfiez-vous si vous n'êtes pas habitué, série plus difficile ici. 4 insistances au cinquième temps, donc en alternative, au cinquième temps, on revient comme ceci avec les deux genoux groupés. Mais on va garder la jambe droite tendue pendant 4 temps. Coup droit, genou gauche, tendre la jambe droite et 1, 2, 3, 4, fléchir, 5. L'autre côté, 1, ça ne va pas, la main sur le genou, 3, 4, 5, à gauche, 1, 2, bien groupé, 3, 4, soufflez, 5, et droit, 2, 3, 4, soufflez, 5, et gauche, 2, 3, 4, 5, et droit, sans pousser sur la tête, 3, 4, 5, dernier à gauche, 2, 3, 4, coupé, 5, dernier à droite, 2, 3, 4, et 5, posez pied droit, croisez cheville gauche, tendre le bras droit. Genou gauche ouvert à l'extérieur, lombaire au sol en rentrant ventre, périnée, épaule droite vers le genou gauche, 1 et 2, en regardant la main droite, maintenir 3 et 4,
Descendre un peu l'épaule, 5 et 6. Montez l'épaule, 1, 2. Maintenez, 3, 4. Descendez, 5, 6. Montez, 1, 2. Maintenez, 3, 4. Descend, 5, 6. Encore deux fois. Montez, 1, 2. Maintenez, 3, 4. Descend, 5 et 6. Dernier. Inspirez, 1, soufflez, 2. Inspirez, 3, soufflez, 4. Freinez la descente sans respirer en descendant. On inverse. Croisez cheville droite. Tendre bras gauche. La paume vers le haut. L'épaule gauche un peu soulevée. On pré-contracte les abdominaux en soulevant un peu l'omoplate gauche. On ne va plus la reposer. Bas du dos sol. Montez l'épaule vers le genou. 1, 2. Maintenez 3, 4. Descendre 5 et 6. Avec la respiration. Inspirez 1. Soufflez 2. On maintient. Inspirez 3. Soufflez 4. Contractez pour les abdominaux. Ne respirez plus. Descendre doucement. Inspirez 1. Soufflez 2. Inspirez 3. Soufflez 4. Gardez la contraction sans respiration. Oui. Inspirez 1. Soufflez 2. Le périnée toujours contracté. Inspirez. Soufflez. Descendre. 1. 2. Encore deux fois. Montez. 1. 2. Maintenir. 3. 4. Descendre. 5. Et 6. Dernier. 1. 2. Maintenez. 3. 4. Et descendre. 5. Et 6. Deux genoux groupés, croisez les chevilles. Attention ici, on rapproche les cuisses du tronc, la verticale qui passe par les talons passe à ras des fesses et vous tendez les bras latéralement. On va faire l'essuie-glace, travail pour la taille, un travail important. Deux épaules fixées sur le sol. Descendre vers la gauche, trois temps lentement, genou gauche vers le coude gauche, épaule droite reste en appui sur le sol. Remontez, 3 et 4. Descendre à droite, 1 et 2, remonter 3 et 4, très groupé au milieu. Quand je descends à gauche, genou gauche vers le coude gauche. N'allez pas trop bas, ne déposez pas, remontez 3 et 4. À droite, fixez l'épaule gauche, 1 et 2, remontez 3 et 4. Encore deux fois gauche-droite, 1 et 2, remontez 3 et 4, à droite, 1 et 2, remontez, 3 et 4, une dernière fois, ça ne va plus, vous mettez les mains au creux des genoux pour rester au milieu, genoux groupés, bien sûr, et vous passez une exécution. Il ne faut jamais essayer de tout faire à tout prix, il faut faire les mouvements extrêmement corrigés. Alors, ils sont rentables uniquement s'ils sont vraiment corrigés et dans la lenteur, vous voyez, main derrière la nuque, ce n'est pas fini. Coup droit à gauche, 3 fois, 1 et 2 et 3, descendre doucement, coup de gauche à droite, 1 et 2 et 3, et la même chose, seconde fois, coup droit à gauche, 1, je descends, je monte, 2, je descends, je monte, 3, prenez, à droite, 1 et 2 et 3, ok, posez pied droit, pied gauche, tête sur le sol, et bras le long du corps. Pour cet exercice, inspiration, on s'applique plus sur la contraction du périnée. Si vous soufflez, vous rentrez le ventre, hop, on écrase le sol avec le bas du dos, on contracte le périnée, on maintient la contraction. Respiration normale. J'inspire, je souffle régulièrement. Et je maintiens d'abord abdominaux profonds, ensuite le périnée contracté, le plancher pelvien. Sans soulever le bas du dos, essentiel ici, monter les deux bras tendus vers le haut. Descendre les bras au sol derrière la tête. Alors, vous devez avoir les coudes au sol. Pour y arriver, certains doivent fléchir les bras, les écarter latéralement. On a les coudes, les avant-bras, le dos des mains au sol. Si vous y arrivez, vous retendez un peu plus les bras vers l'arrière. On glisse, mais sans soulever le bas du dos. C'est un travail important du périnée et des abdominaux profonds. Ce sont les plus importants pour protéger le dos. Maintenez encore quelques instants. 4, 3, 2, 1, remontez les bras, relevez la tête, placez les mains derrière la nuque, regardez vers le haut, attention, on a tendance à directement regarder les cuisses, regardez vers le haut, groupez les deux genoux, hop, et parallèle. Alternative deux insistances, échangement en deux temps,
Attention, il nous reste deux exercices pour les abdos. Le premier ici sur le dos, le deuxième sur le côté. Coup droit, genou gauche, on tend à la droite. 1. Insistance. 2. Changez les jambes. 3. 4. Insistance. 1. 2. Changement. Le dos à plat. 4. Ça ne va pas, main sur genou. 2. Et puis vous changez avec l'autre main. Main gauche, genou droit. 1. 2. 3. 4. Go. 2. 3. 4. Droit. 2. 3, 4, gauche, 2, 3, 4, droit, 2, 3, 4, dernière gauche, 2, 3, 4, dernière droite, 2, 3 et 4. Le pied au sol, pivotez sur le côté, redressez-vous. Ici, vous êtes sur la fesse, sur l'avant-bras. Fesse droite, coude droit, fesse gauche. De gauche, on fera les deux côtés. Groupez les genoux, élevez un peu les jambes. Comme ça, vous verrez peut-être mieux. Hop, on élève les jambes. Soit 1, 2, 3, 4, 5. Je tire fort sur le genou inférieur. Soit 1, 2, 3, 4 et le 5. Attention, pas 5 talons fesses. 5 les cuisses près du tronc. Le ventre est rentré, on est parti en gauche, droit, gauche. Inspirez. Soufflez une respiration ici. 2, 3. J'inspire 4, j'expire 5. Et puis on ne prend plus d'air. 1, on contracte. 2, 3. Inspirez, soufflez. Et 1, 2, 3, 4, 5. Et 1, 2, 3, 4, 5. Encore 2 fois. 2, 3, 4. 5, dernier, 1, 2, 3, 4 et 5. L'autre côté, pivoter, bien se positionner. Allez, séance 10 minutes, un bon quart d'heure. On va faire 1h05 aujourd'hui. Tout est permis pendant le virus. Groupez, élevez un peu les jambes. Deux mains du côté gauche ou main droite, genou gauche. Je rappelle, vous groupez. On s'est groupé avec les abdominaux, on est parti en droit. Go. Droit. Inspirez. Soufflez. Et 1, 2, 3. Et 2. Et 1, 2, 3. Corrigez bien. Je ne suis pas là pour regarder ce que vous faites. Et c'est là le danger de ces exercices vidéo. On peut aussi faire n'importe quoi et il y aurait grand danger. Donc corrigez, soyez sûr des consignes, que vous les appliquez bien. Coupez. Et 1, 2, 3, 4, 5. Encore 2 fois. 2, 3, 4, 5. Dernier. 1, 2, 3, et 4, et 5. Passez sur le côté, sur le dos. Deux mains sur le genou droit. On va faire ici un mouvement de rotation de la colonne vertébrale et de relâchement. Vous groupez d'abord la cuisse droite, vous tendez la jambe gauche, prolongement du corps. On maintient. Tirez fort sur le genou droit. Ensuite, vous tendez le bras droit latéralement. L'épaule droite va rester au sol, la paume de la main droite sur le sol. Vous inspirez en expirant. Gardez le genou droit groupé, vous le descendez légèrement vers la gauche. On maintient la position, première fois, n'allez pas trop bas. Puis vous inspirez, vous soufflez, descendre encore un petit peu. On maintient, le genou est groupé. Une troisième fois, inspirez, soufflez, descendre encore un peu. Tournez la tête vers la droite. Gardez le genou groupé et descendez très progressivement. Attention, groupé, c'est-à-dire moins de l'angle droit entre la cuisse et le tronc. Maintenez la position. Ok, pliez la jambe gauche, remontez. On va faire l'inverse, je pivote différemment comme ceci. Groupez, genou gauche cette fois-ci. Inspirez, soufflez, tendre, jambe droite. On garde le genou groupé, vous tendez le bras gauche latéralement. Vous inspirez, expiration, épaule gauche au sol, descendre, genou gauche vers la droite. Groupez, genou, descendre vers la droite doucement. Maintiens. Tournez
Et la tête vers la gauche. Maintenir la position. Quel bonheur ces séances de tonification. Personne ne rouspète, personne ne ronchonne. J'adore ça. Je crois que dorénavant, on va faire ça au James, les séances virtuelles. C'est la bonne trouvaille. Merci, coronavirus. Ok, pliez la jambe. Les deux jambes sont à droite. Ramenez le bras gauche du côté des genoux. Hop. Et redressez-vous pour deux exercices de gainage, de stabilisation avant de faire les assouplissements, la dernière partie. Classique ici, vous allez rentrer le ventre, reculer un peu le genou, vous écartez un peu les pieds, vous écartez un peu les genoux, mais ventre rentré, aplatir le bas du dos, hop, tendre, maintenir la position, 30 secondes, mais on va meubler les 30 secondes, groupez genoux devant en dessous de vous, reposez pied droit derrière, groupez genoux gauche en dessous, reposez, soulevez le bras gauche, hop, on maintient, 1, 2, 3, posez le bras droit, hop, on maintient, 1, 2, 3, posez encore une fois chaque bras, le gauche, 1, 2, 3, on serre les abdominaux jusqu'au bout, le droit, et 1, 2, 3, posez, 33 secondes, excellent, les fesses sous les talons, tendre les bras devant, maintenez quelques instants, bras tendus et l'inde s'il te plaît, hop, on maintient. Glissez les mains, avancez les mains, doucement, les fesses se soulèvent, rentrez, mais bras tendu toujours, visage près du sol, maintenez quelques instants. Revenez en arrière, deuxième série, oh, une série de flexion, flexion des bras, gardez les mains en appui, vous les voyez comme ça, ça forme un petit cœur ici, que je dirige vers vous. En appui sur les genoux, ventre rentré, je suis obligé de me mettre de profil pour que vous voyez bien le mouvement. Là, allez rentrer le ventre, fléchir et remonter. Mais ce qui compte ici, c'est là le bas du dos, donc ne terminez pas avec les fesses en l'air. Rentrez le ventre, 1, 2, 3, 4. Mais limitez la flexion si c'est difficile, les épaules avancent un peu. En appui, si vous êtes à l'aise là, vous pouvez faire ça, hop, fais ça 4 fois, 2, 3. 2, bien rentrer le ventre, 2, et, ça vous épate hein, ça, 2, et, 5, ok, posez, relâchez à nouveau, étendez les bras quelques instants, terminé pour les renforcements, je n'ai pas que ça à faire, et puis redressez-vous, là, assouplissement, important aussi, ouh, c'est l'heure, on va dépasser de 5 minutes, il n'y a pas de problème. Tendez, vous pouvez couper quand vous voulez, aller aux toilettes, puis reprendre la séance. C'est la facilité encore de ce nouveau système. C'est merveilleux. Inspirez, ventre rentré, allongé. Donc, bras tendu, allongé, vers le haut, vers l'arrière. On soulève, on tire les épaules vers l'arrière, on maintient. Soulevez, vers l'arrière. Tension par l'extension du dos, l'extension des bras. Je contracte les abdominaux. On maintient. Ok, relâchez. Hop, la main gauche derrière le dos comme ceci. Le bras droit latéralement, vous montez. Inspirez, ventre rentré, fléchir. On peut toucher les doigts, bien faire ça. Coude à l'extérieur, toucher, faire ça. On maintient la position. Ici aussi, contraction des abdominaux. Pas là, là. Vous me voyez toujours? Ok. Relâchez. On inverse. Je passe la main ici. Allongez latéralement vers le haut. Inspirez. Fléchir. Hop. Coude à l'extérieur ou derrière. Et contractez les abdominaux. On maintient. C'est trop difficile uniquement ceci. Coude en arrière. Si on y arrive, là. Maintenir la position. Ok. Relâchez. Et position assise pour les derniers exercices. Jambes fléchies, main au creux des genoux. Hop, redressement. On refait d'abord
l'extension des jambes, le tronc, inspirez, redressement, inspirez, inclinez, glissez talons, hop, on l'a déjà fait plusieurs fois, on corrige mieux ou on descend, on incline un peu plus, sans fléchir, flexion de la colonne, inclinaison du tronc, ici on cherche une inclinaison du tronc, donc la colonne ne participe pas au mouvement, c'est parce que les hanches pivotent que la colonne s'incline. Et puis je glisse, je tends. Ouh, beaucoup mieux que tout à l'heure. Très bien. Relâchez. Étirez un peu les jambes, genoux. Du côté gauche. Ou droit, on fait les deux côtés, talons-fesses. Connais bien celui-ci. Groupez genoux, les corrections. C'est le danger de bien connaître les exercices. On oublie alors les corrections. D'abord, groupez genoux. Inspirez, abdominaux, puis reculez. Genoux maintenir. Respiration. Ok, tournez le genou vers le haut. Redressez le dos. Inspirez doucement. Tendre. Donc, un redressement. Étendre la jambe. Redressement. Étendre la jambe. Oui, peut-être mieux comme ceci. Et maintenir. Tendu ou un peu fléchi. Tiens la position. Ne forcez pas. Ok. Relâchez. Genou de l'autre côté. Genou. À gauche, à droite. Talons, fesses. Groupez genoux. Inspirez, abdominaux, reculez, je contracte les abdominaux, rétroversion du bassin, j'aplatis ici et je garde le bas du dos aplati en reculant le genou, on maintient. Vous pouvez essayer d'écarter un peu le talon, reculer le genou, ramener talon-fesse, maintenir. Tournez le genou vers le haut, redressement. Inspirez, doucement, tendre, progressivement. Donc, un soulevé, tendre. Maintenez quelques instants. Et avant les écarts, avant, arrière, et encore un troisième exercice à faire. J'ai oublié de l'autre côté, mais c'est pas grave, on va le refaire. Regardez là, talon fesse, mouvement de profil. Hein, pour la jambe gauche devant, angle droit, talon fesse derrière. La main près du pied, main droite, main gauche, près du genou. Attention, mademoiselle. Redressement, inspirez. Fléchir un peu. C'est une inclinaison. Glissez la jambe. Ouh, la jambe. Glissez la jambe. Tournez la hanche vers le bas. Je suis en extension du dos. Inspirez. Longue expiration. Les épaules. Vers la droite, allongez le bras droit, maintenir. Ok, fléchis, jambes arrière, quittez la position. On inverse, hein, j'avais oublié de l'autre côté, mais c'est pas grave. Talon fesse, là, arrière, une main de chaque côté. L'angle droit, c'est important. L'inclinaison, elle se fait dans l'axe de la cuisse ici. Ça, c'est les mains. Redressement du dos. Je soulève les côtes. Je les garde soulevées. Je les avance vers le genou. Fléchir un tout petit peu les bras. C'est suffisant. Ne fléchissez pas trop. Glissez la jambe. Tournez la hanche vers le bas. Vous inspirez. Vous soufflez les épaules vers la gauche. Allongez le bras gauche. Soulevez l'épaule droite. Descendez l'épaule gauche. Regarde devant. On maintient la position. Ok, arrondir. Quittez la position. Redressez-vous. Écart avant-arrière. Ne bougez pas. Et voir si vous êtes toujours là. Parce que je ne vois plus mon écran. Vous êtes là? Excellent. Écart avant-arrière. Hops. Genou talon.
Placez les mains de chaque côté. 59 minutes. On est bon, on dit. Allez, coach. Reculez un peu les mains. Redressez le dos. Une alternative. Si c'est difficile, vous démarrez, je ne vous connais pas. Hop, 1 et 2. On fait ceci. De redresser. Première étape. Deuxième étape, placez les mains, reculez un peu les genoux, avancez les talons, soulevez les épaules, inspirez, expiration, soulevez, poussez les talons vers l'arrière, les épaules vers le haut et vers l'avant, on maintient les jambes fléchies, et puis progressivement, vous tendez un peu plus les jambes, maintenez la position, respiration régulière, posez. Hop, et inverser. Donc, deux possibilités. Ou bien l'inclinaison tendre, attention, extension du dos, regard devant, tendre. Ou bien placer les mains, reculer les mains, reculer le genou. Allonger le dos, inspirer. Expiration. Hop, soulever, pousser le talon vers l'arrière. Ou genou au sol, on redresse, regardez devant. Extension, maintenir. Si le pied droit derrière, tournez bien. La hanche droite descend vers l'avant, vers le bas. On maintient. On voit les hanches, face vers l'avant. Maintenez la position. Ok, posez. Maintenez la position, redressez-vous. Je suis toujours là. Pour le dernier, quand je vais incliner le tronc, ce sera bon. Fléchissez un peu les jambes, coup d'épaule en arrière. Inspirez, regard devant, vous inclinez. Voilà, me voilà. Les jambes sont fléchies, fesses en arrière, ventre rentré, les côtes sont soulevées par rapport au bassin. Et je regarde 2-3 mètres devant moi. Appuyez les mains sur les jambes, ou sur les genoux, sur les cuisses. Rapprochez les omoplates, on aplatit le haut du dos là. Attention, je suis là. Inspirez, puis soufflez, tendre progressivement les jambes. Maintenir la position, jambes tendues ou un peu fléchies. Regard devant, mais toujours rapproché de l'omoplate. Sentir un petit creux au niveau lombaire. Maintenez, vous êtes à l'aise, vous descendez un peu les mains. Vous inspirez, hop, tendez un peu plus, mais sans arrondir le dos. Je suis toujours en expansion du dos, c'est très important. Tous les muscles postérieurs de la colonne sont contractés, sont relâchés. L'arrière des cuisses, que j'étire en tendant plus ou moins les jambes. Pliez les jambes, arrondir le dos, remonter doucement. C'était un plaisir que cette petite séance. Regardez quelle heure il est. Midi 35 et le coach est toujours au travail. Incroyable ce coach. Allez, à bientôt, salut et bravo à tous. Hop, ça ne se coupe pas maintenant.